Yuji. Sors. Quoi? Aurais-tu oublié les règles du dojo? Moi, je n'ai pas besoin de le faire, évidemment, parce que je suis le chef de cette île et de ce dojo. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Des marques de guerriers, des blessures de guerre, ta fierté peut-être? Ou alors, ton intolérance? Kino pense que c'est les marques de guerrier. Je le suis là-dessus. T'es devenu bien plus arrogant, étrangement. Même si je décèle en toi un manque de confiance évident. Même pas le temps de dégainer, que tu m'attaques direct comme ça. Les réflexes alors, Yuji. C'est la première chose qu'on apprend ici. Dis plutôt ce que tu es venu me dire. Tu m'as pas fait venir comme ça, soudainement. C'est pas. C'est un dojo, on est ici pour se battre. Le mouvement basique et pourtant tu es lent. Quelque chose me C'est pas dit étonnant que j'ai réussi à te battre. Quelque chose me dit que t'as quelque chose que tu veux me parler. Je sais pas pourquoi. J'ai très bien commencé ici. Tu as le même souci que moi. Avant, c'est pas le souci. La discussion. Tout le temps, on a fait que de se battre plutôt que de discuter. Et je ne t'ai jamais assez écouté. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'aurais été si heureux. J'aurais très bien pu te montrer à la marine. Même si ça aurait pas plu à ta mère. Et pourquoi tu l'as pas fait? Et ne me dis pas que c'est maman. La famille. C'est important, c'est tout ce qui nous reste. La famille? C'est pas toi qui avais dit tout à l'heure? On était plus tes fils? Ou alors tu avais dit ça sous le coup de la fierté? Tu connais bien ça, la fierté, Ryuji. Qu'est-ce qui a causé ta perte? La fierté. Et on se demande d'où est-ce que je la tiens. Tu as eu ta cicatrice.
pendant que j'étais avec l'équipage. Plus en détail. La flibustière. La flibustière, tiens, tiens. La fameuse flibustière. C'est ton plus grand ennemi, visiblement. L'héroïne de la flibustière Jane, qui a vaincu le vil équipage du Capitaine Orion. Comme quoi, une légende a aussi ses faiblesses, n'est-ce pas? Le Capitaine Orion ne savait que parader fièrement. C'était mon capitaine. Il servait vous comme... poudre à canon. Comme chair à canon aussi. Vous envoyez à la potence pour faire ses sales besognes. C'est à ça que sert un pirate, surtout un capitaine. Et je suis sûr qu'il n'a participé à aucun des combats que vous avez fait. Normal, parce que notre devoir c'était de le protéger. Ah, donc c'était un faible. Nullement un faible. Et il est mort en lâche. Mort en lâche. C'est plutôt ça, la flibustière qui l'a attaqué par derrière. Par derrière? Je n'étais pas là. Et ça m'étonnerait de la flibustière, Jane. Et moi, j'étais là. Et si je trouve ça normal que toi, tu sois encore vivant et lui, il soit mort? Elle nous a épargnés. Alors tu lui dois la vie. Tu lui dois la reconnaissance. Je suis sûr que si tu te rendais à la marine, il serait clément avec toi. Tu pourrais prendre appui pour qu'il ne te tue pas, jusqu'à te mettre en prison quelques années. Tu vas partir sur de bonnes bases. Tu pourrais reprendre cette île et me succéder. J'ai fait une promesse il y a quelques mois. À ma meilleure amie. Tu te souviens quand il y avait des pilleurs ? Oui, je me souviens. J'étais occupé de mon côté, à battre leurs gros bras. Donc toi, j'étais occupé des plus petits et j'étais pas arrivé à temps pour la sauver. Qu'est-ce que j'ai dû dire à ses parents, à ton avis? Que mon fils était incompétent? Qu'il a pas su protéger sa meilleure amie? Alors qu'il se revendiquait être le plus fort de l'île. Dis ça à tes soldats que je battais un à un, à chaque fois. Les soldats que tu battais un à un, c'est grâce à mon entraînement. Toi, tu étais formé pour être le meilleur d'entre tous. Oui, c'est juste formé à la protection de l'île et du dojo. C'était pas suffisant pour toi. Nullement, c'est suffisant. J'en ai toujours voulu plus.
Alors, mis à part la flibustière, qui t'a fait tes autres cicatrices? Quelques artilleurs. Tu l'en rives. Tu t'es ramolli. Et pourtant tu es jeune. Même ton petit frère te surpasse maintenant. C'est pourtant lui qui m'a battu aujourd'hui, enfin hier. Utilise ton éveil. Oui. La vitesse, très bien. Dans son expérience, on peut ressentir quel type de pouvoir on les rendra plus. Calicoté s'est foncé comme un gros bourrin. Tu tiens ça de ton grand-père. Ouais. Et le côté bourrin, ça finit par marcher. Tu t'épuises, Rudy. Tu ne le maîtrises pas encore. Ça manque d'entraînement, tout ça. Parce que je l'ai peut-être vu récemment. Excuse. C'est avec ce genre d'excuses que tu te défendais sur ton navire. Ok, non. Monsieur le caporal Ryuichi Kato, parce que j'ai lu les affiches et les ondits de la marine. Joli coup, mais c'est pas suffisant. Voyez-vous ça, il semblerait que j'ai gagné. Quelle surprise, j'ai gagné contre un caporal de l'équipage du Solaris. Finalement, les légendes, tu les représentes mal. On m'avait dit que l'équipage Solaris était rempli de personnes extrêmement fortes. Et c'est pas ton cas, malheureusement. Saisis-toi, rapidement. Parce que si la flibustière débarque ici et retrouve ta trace, t'auras intérêt à fuir. Parce qu'à mon avis, elle te tuera. Et facilement, en plus de ça. Enfin, ce que je t'ai dit plus tôt, c'est vrai, j'aurais dû t'écouter. Au moins,
Tu serais peut-être pas parti avec des pirates? Si je t'avais laissé partir de l'île convenablement, t'aurais pas peut-être pas rejoint des pirates, mais des corsaires, qui sait? T'aurais pu traquer des pirates plutôt que de te faire traquer. Il vaut mieux que ça, Ryuji. Et même si tu souhaites t'accrocher à la piraterie, ce qui d'après les journaux est totalement terminé, eh ben, tu feras comme bon te semble. Mais t'auras intérêt à te battre encore plus. Et plus fort. Parce que ton capitaine, s'il te voyait comme ça, il aurait terriblement honte de toi. Moi, ce que je souhaite pour toi, comme à ton frère, c'est le meilleur, même si je m'y prends très mal. Mais j'ai été éduqué comme ça. À la dure. Alors, ton frère et toi, vous pouvez regagner la maison familiale. En plus, vous avez des affaires à récupérer, je crois. Il me semble que ton frère a les brassards de son grand-père qu'il a laissé ici. Et l'âme secrète. Ça lui revient de droit, c'est un héritage, même si votre grand-père n'est pas encore mort. Mais c'est un héritage. Tu as le droit à la moitié, mais ça, c'est toi qui vois. Moi, je n'en ai pas utilité. Sur cette île, ça ne me servira à rien. Maintenant, Comme quoi je l'ai Ryuji, quitté. tout comme Kino, Ryuji et Kino, tu le diras à ton frère. Hein. Je vais vous voir tous les matins dans ce dojo, vous entraîner durement. Et vos amis, on verra s'ils peuvent se rendre utiles. C'est le prix à payer pour rester sur l'île. Est-ce que c'est clair? Vaut mieux ça que rien. Oh oui. Sinon tu vas te débrouiller en dehors de l'île avec les corsaires qui traquent les pirates restants. Et vous ferez pas long feu. T'as de la chance que il passe très rarement ici. Cependant, il risque de venir vous chercher. Et là, je ne pourrai pas vous cacher. Vous devrez vous cacher vous-même. Sans doute partir quelque temps pour revenir ensuite. Parce que la traque a activement commencé. Et vous êtes en danger. Pour nous. C'est vraiment si étonnant que ça? À ton avis, pourquoi je voulais pas que tu nous quittes l'île? Je sais pas. Parce que c'est l'endroit où t'es le plus en sécurité. Je m'ennuierais à mort aussi, mais bon, je suis revenu ici, c'est pour, on va dire, reprendre une vie de civile, faire profil bas. Oui, mais ne surtout pas délaisser tes entraînements, comme je t'ai dit, tous les matins à l'aube, au lever du soleil, je viendrai vous entraîner.
On va s'entraîner juste Kino et moi. Eh ben, je n'ai pas d'autres élèves, donc oui. D'autres élèves? Ça veut dire avec toi. Bien évidemment. J'ai encore quelques trucs à vous apprendre. Mais aussi, vous pouvez vous débrouiller sans moi. Disons que tu étais caporal sur ton bateau. T'es à la limite d'être un maître renard sabreur. Tu veux me mettre en... Actuellement, non. J'ai dit, tu es à la limite. Ton frère a plus de chances que toi de passer maître renard sabreur actuellement. Ça me semble que c'est une bonne idée, tiens, qu'il devienne ton maître quelque temps. On décidera ça d'un duel. Un véritable duel. Celui qui Sauf gagnera qu'il votre a atteint duel ce niveau. enseignera à Sauf l'autre. qu'il a atteint ce niveau. Il a atteint ce niveau, c'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai entraîné. Oui, parce que j'étais surtout concentré à t'entraîner toi. C'est vrai que je l'ai un peu délaissé, Kino. Mais il était souvent collé à sa mère. Le combat à l'épée ne l'intéressait pas plus que ça. Hein. Qu'elle aurait en souvenir. Hein. Ouais. Mais pourquoi alors il est parti me rejoindre? Ah ça, parce qu'il avait peur pour toi, je pense. Ouais. Parce que je suis un exemple pour lui. En même temps, ça va être difficile de prendre exemple sur une femme. Et vu que moi je l'entraînais pas, il risquait pas de prendre exemple sur moi. Enfin, Ryuji, ta mine insolente, elle sonne faux actuellement. Je le sens bien que tu es brisé. Et ça se voit aussi. Brisé de quoi? Je ne sais pas, mais tu es brisé. Mentalement. Ça se sent, tu n'es plus toi-même. Je viens de perdre mon équipage. Ah oui, l'équipage, oui. Mais il te reste ta famille et tes amis qui sont ici. Quand tu as rejoint l'équipage du capitaine Orion, tu devais bien t'en douter que ça arriverait un jour ou l'autre. Pas aussi vite. Quand tu es parti de l'île, on entendait déjà parler des traques des pirates actives et de la fin de l'âge d'or de la piraterie. L'équipage du capitaine Orion, le fait que ce soit le dernier seigneur des pirates encore en vie. C'était qu'une question de temps. Enfin! C'est un mauvais choix. Maintenant, à toi de faire les bons choix. Si tu souhaites partir de l'île, maintenant, je t'en empêcherai pas. Tu fais ce que tu veux.
J'ai pas fait tout le chemin. Cependant, l'île n'est pas un moulin. Et repartir. Aussi sec. Comme je t'ai dit, il y a bien un moment où tu repartiras. Peut-être explorer, mais qui sait? Je peux plus faire pirate maintenant. Ah, ça c'est sûr, vu que ça n'existe plus. Bon, à part si tu veux discuter d'autre chose, tu ferais mieux d'aller rendre hommage à ton arrière-grand-père. J'ai plus rien à dire pour le moment. Alors, je te libère, Ryuji. Demain matin à l'aube, je vais vous voir tous les deux ici. J'y tâcherai. Montre-moi que tu n'es pas devenu un lâche. Et un faible. Et Ryuji, même si ça te paraît très peu sincère, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé par le passé entre nous. Tu restes mon fils. Et Kino aussi. Et je suis content que tu sois revenu. Ça a été une dure décision. Sache-le. La décision la plus sage. Ah, il va falloir retravailler ton attention. Ouais, non, ah, c'est il a pas fait attention. Discret, c'est... Ah, lui, il fait 300 kilos, il est pas discret. Oui, lui, il fait trembler le sol au moindre pas. La tombe de Melcia. Tout va bien, Ryuji? C'est pas ton ami d'enfance, ton ancien ami, disons. Si. Celle morte par les pillards. A attaqué l'île. C'est avec elle que j'avais fait la promesse d'avoir un adversaire à ma taille. Disons que tu l'as honoré, cette promesse. Et en beauté. Ça
si on peut dire ça comme ça. Bon, et puis vous, vous avez réussi à vous intégrer, malgré que notre père est un peu fleur de peau. Ouais, j'ai retrouvé ma chambre, c'est bien. Disons qu'en tout cas, pour moi et Mélanie, les gens sont pas spécialement toujours aimables, mais ça va, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Ouais. Bon, moi, c'est bon, hein. La plupart quand même me laissent un peu en tranquille, vu que la majorité du temps, je suis à la plage en train de pêcher. Alors bon. Ouais. Je vois que il y a toujours un garde pour vous. Pour vous surveiller. Bon, ça m'étonne pas de mon père. Il est un peu collant, si tu veux mon avis, mais bon. Il est même dans les latrines, hein. Alors non, quand même pas. Alors ça, j'étais pas au courant. Mais si, il est bizarre un peu. Il est bizarre un peu. Je ne vais pas jusqu'à là. Ouais, j'espère bien. Oui, j'ai récupéré l'âme de notre grand-père. Moi, je les ai refusés. Bon. Ah, forcément, sinon, j'en aurais qu'une sur les deux. Regarde, elles sont bien, hein. Ouais. Bon. La nuit va pas tarder à arriver. Je pense qu'à mon avis, d'ici peu, on va nous demander d'aller manger. Tiens, d'ailleurs. Bah, je me ferai un plaisir de préparer le poids. Je rapporte 3 c'est poissons. Pas... 3 c'est pas notre mère qui avait invité. Peut-être bien. Oui. À moins qu'encore une fois on m'accuse d'empoisonner la nourriture. Bon. D'ailleurs, ils ont demandé l'aide de Bam pour la cuisine. Notre mère, elle a dit que ça pourrait me servir vu que j'ai parlé de toi. Eh ben, c'est bien, Emma, parce que les dernières fois où j'essayais de faire à manger, les gens sont méfiés que j'ai empoisonné la nourriture. Bon. Alors. T'inquiète, notre mère, elle gère. Comment on peut se douter que t'empoisonnes la nourriture vu ta carrure et ton instinct de gros mangeur? Surtout que j'ai dit que c'est lui qui nous a fait à manger la plupart des gens sur le bateau. Donc vu qu'on est toujours en vie, ça donne confiance, tu vois. La plupart du temps, c'est-à-dire tout le temps. Quasiment tout le temps, quoi, ouais. C'est vrai que quand c'est des gosses qui faisaient bouffer, accompagné quand même on manquait de mourir à chaque fois. Hein. Excepté la première fois que c'est lui. Ouais. Alors c'est la brioche et la praline, déjà premièrement. C'est et... Ouais. Et du sucre. Les gauchistes, oui, et les gauchistes, des desserts et Je pense si. Vous les aimiez pas les desserts. Les gauches, il avait mis de la poudre d'os dans ses gâteaux. J'ai failli me prendre le bouclier dans la fenêtre, hein. Ça, par contre, ça m'étonne qu'il vous ait laissé vos armes. Oui. Désolé, j'ai trop l'habitude de garder toujours mes boucliers. Moi, bah nous, ça va, mais eux, c'est vrai que c'est très efficace. Ah, pour Isaac, je pense que pour Isaac, c'est un peu plus laxiste quand même. Hein. Moi, bon, j'ai plus d'espadons, ouais. Donc y a plus grand monde qui m'embête avec ça. Ça ressemble à l'épée de Ryujik. Hein. Ouais, il faut un moment que je dois poser mes armes. C'est pas long. Mon bouclier, mon épée. Non. Bon, on doit rester allé, vu que, comme tu l'as dit, il va faire nuit. Ouais. Non, pas longtemps, il va faire nuit. Très honnêtement, je reste pas trop longtemps ici, quoi. Moi, je sais pas. On va plus mettre un sentiment, je sais pas. Ça me paraît trop calme, trop parfait. Et forcément, un truc. Oh, l'île est calme. L'île est un endroit calme, hein, tu sais. Ouais. Mais espérons que ça le reste. On a croisé littéralement aucun marine, aucun. Bateau depuis qu'on est arrivé. Donc. C'est justement ça qui est bizarre. Très bien. Parce que je pense qu'ils sont concentrés dans les Caraïbes. Arrête de penser toujours des choses mal. On est un peu tranquille pour le. Je pense que la plus grosse partie des forces est partie à Tortuga vu le nombre de pirates qu'il y a là-bas. Ça a dû faire la résistance. Ah non, mais tiens, vous deux, c'est tout ce que j'ai à dire. À côté. Demande. T'as pu faire la cuisine avec notre mère, Bam, du coup? Bah, comme vous le voyez, il y a tout sur la table. Alors, et pour une fois, encore plus petite que celle du Solaris, qu'on a mangé, donc. Ça peut. Ok, oui. Pour une fois, c'est pas les. Tu penses que je peux m'asseoir sur les bancs sans problème ou. Il veut mieux pas. C'est pas possible. Tu veux faire voler Isaac?
ça va être un peu compliqué, non, parce que là... C'est ton but, c'est ton but, c'est faire voler Isaac, Je préfère ne pas me faire éjecter pour tout descendre et... Je vais être honnête, je n'avais jamais pensé à ça, mais tu viens de me donner une très bonne idée, Mélanie. Non, bam. Bam, non. Non. Non, je rigole, je vais pas le faire. Merci. Purée. Ne gâche pas, ne gâche pas le repas que t'as fait, Starficier. Genre, vraiment, ne gâche pas ce que t'as fait déjà. Oui. Bon. Cette fois-ci, bam, c'est quelle saveur? Les saveurs des renards ou les saveurs des... De l'île des renards. Non. Les saveurs de rien du tout. Les saveurs, c'était quand il y avait le... Encore, c'était quand il y avait encore le soleil. C'est pas marrant. Tu peux créer une nouvelle saveur ici, sincèrement. Oui, j'avoue, pour une fois que t'as l'occasion d'en créer une. Hey, Rudy. Oui, c'est vrai. Les saveurs des cathos. Voilà. J'ai trouvé. Non, c'est moi qui vais manger, donc ce sera le nom d'aucun de vous. Voilà. T'es quand même Charlie des renards et t'es quand même sous la juridiction de la famille Cato, donc... Et vérifier que le gros n'est pas mis de poison dans la bouffe. J'ai sauvé les points qu'il préparait. Je ne pense pas qu'il y ait eu le problème de quelque chose. En plus, j'ai cuisiné avec votre femme sans vouloir être irrespectueux. Hein. Donc si elle a pu vérifier quelque chose, elle l'a déjà fait. Hein. Et elle me fait confiance. Contrairement à vous, vous êtes un peu méfiant, je trouve. Un peu. Énormément. Face à des pirates. C'est normal que je sois méfiant face à des pirates. Oh, ça c'est vrai, vous avez pas tort. Je reconnais. Il risque de nous enfoncer un peu plus. On n'est déjà pas forcément les bienvenus. En plus, on est techniquement humain pour eux. Je vois que certains de tes amis n'ont pas pris le respect. Veuillez excuser. Non, je suis juste un peu con, vous inquiétez pas. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Bref. Par contre, honnête. Bon. Ton frère s'entraîne encore dans le dojo. Il vient pas manger? J'ai pu l'essayer un peu. Ouais, il va venir après, il finit s'entraîner d'abord. Il s'entraîne trop. Ça fait une chose, Ryuji. Au moins, lui, contrairement à toi, il m'a impressionné. Au moins, comparé à Ryuji, il s'entraîne, mais beaucoup trop, comparé à ce qu'il peut tenir. Donc il respecte un peu plus la noble famille des Kato, alors. Il faut s'entraîner sans relâche. C'est ce que mon père me disait. Ouais, c'est ce que grand-père te disait. T'es venu nous faire une leçon de morale? Mais non, je vais vous accompagner. C'est ta mère qui a insisté. Bien sûr. Ça peut être non bizarrement. Laisse-en pour les autres. Tu veux goûter un onigiri? Si tu veux, le temps que tu seras ici, on apprendra à te faire maigrir. Non, ça va, ça va, merci. Il parle la bouche pleine. Excuse-le, papa. Je suis en train de le pirate d'entre nous. Ouais, on verra ça. Bah. Ils sont littéralement en train de manger. Voilà. Mais goûtez! Je mangerai plus tard. Vous y êtes. Non, prenez place, goûtez un petit peu, en fait. Profitez au moins d'un peu de repas et essayez d'être un minimum agréable avec moi. C'est ce que je vous demande. Kara a dressé une table à votre taille, mais moi je suis un peu trop grand pour la table. Je vais être un peu à l'étroit. Pareillement.
Dans ce cas-là, servez-vous directement de vous. Je servirai plus tard. Inutile d'insister. On va pas se plaindre s'il n'y a plus assez de nourriture ensuite. Ah, c'est à vous d'être suffisamment poli et courtois pour en laisser pour les autres. Bon. Range ta bouteille. Ça fait pas de mal. Ah, plus drôle, en plus c'est moi qui l'ai fait. Donc. Vous m'excuserez, hein, mais j'ai eu une éducation un peu différente. Moi, on m'apprend au moins à être un peu plus poli et plus respectueux et un peu plus courtois quand on est à table avec sa famille. Donc je vous laisse, je vais retourner à ma pêche. Passez un bon repas à tous. Après moi, c'est une critique quand je parle la bouche pleine. En parlant la bouche pleine. Dites-elle en parlant la bouche pleine. Bon. Quoi ? Je sais bien. Ils ont été pirates. Mais comme tu m'as dit tout à l'heure, fais au moins l'effort. Ils ont des preuves à faire. Certes. Si je pourrais donner une preuve, je vais gérer les affectations. Le fait d'avoir. Pour ce qui est de preuves. Alors. Gérer quoi ? Je parle, tu te tais. Cher hôte. Oh non ! Je voulais faire un petit discours. C'est dommage. Toi, tu vas aider la médecine. Toi, tu seras à la garde de l'île. Votre amie sera pêcheuse. Toi, tu vas gérer les cuisines. Avec ma femme. Évidemment, c'est pas de l'esclavagisme, vous serez payé. Et vous ferez un travail honnête. Justement, pour être honnête, et honnête n'est pas mon prénom, on n'en demandait pas tant, on demandait pas forcément d'être payé, que le simple fait de nous avoir accueillis ici, c'est déjà beaucoup. On fait pas travailler les gens gratuitement ici. Je vais me reposer un peu. Votre chambre est prête dans la maison. Très bien. Je vous remercie. Et pour ce qui est de preuves, mon cher hôte, le simple fait d'être parvenu à avoir gardé vos deux fils en vie durant un long voyage et assez périlleux, hein, sans me jeter des fleurs. Pour moi ou d'ailleurs pour tous les autres. Par exemple, Mélanie ici présent était l'une de celles qui dirigeait le bateau. Sans elle, le bateau se serait effondré contre un récif. Moi, je faisais à manger. Isaac nous protégeait. Disons, c'est un peu indirectement grâce à nous que vos fils sont encore en vie. Bien que vous les ayez éloignés, en tout cas jusqu'à maintenant, vous m'avez expressément dit de ne pas vous couper la parole. J'aimerais peut-être que vous fassiez de même. C'est un peu directement grâce à nous que vos fils sont encore en vie, bien que vous ayez, en tout cas jusqu'à maintenant, renié. J'espère que vous vouliez quand même les revoir en vie. Donc, moi, c'est la vision que j'aurais si j'avais été père. Mais bon. C'est un sujet sensible. Un sujet sensible, en effet. Donc, t'es en train de me dire que mes fils sont trop incapables pour se défendre eux-mêmes, c'est ça ? Disons que je n'ai jamais vu Ryuji cuisiner, mais je ne pense pas qu'il ferait une bonne salade, honnêtement. Désolé. Prends ça pour un compliment. Ah bah, ils sont très, très étonnants, tes compliments, mais bon. Je
pense que moi aussi je vais me coucher. Bonne nuit. La pièce serait trop petite pour lui, il va prendre toute la place. Enfin! Je comptais dormir dehors. Ah bah tiens, sur les cailloux. Bon. Comme tous les matins, Ryuji, à partir de maintenant, avec ton père, il est au courant aussi. Vous viendrez vous entraîner à l'aube. Ah bah ça, je me doute bien. Tes amis, par contre, ne pourront pas utiliser le dojo, évidemment. On est conscient. J'en suis conscient. S'ils veulent s'entraîner, on pourrait leur aménager une salle avec des mannequins. Même si en soi, il n'y en aura plus besoin de s'entraîner. Sauf pour vous qui serez dans la garde de l'île. Enfin, ton frère ne devrait pas tarder à arriver. Moi, je vais aller continuer à m'entraîner. Pour te surpasser encore plus. La prochaine fois, ça ne me prendra que deux coups. J'ai faim. Ouais. J'ai ultra faim. Ah bah ça je vais devenir un mort. Eh, fallait que je m'entraîne moi. Je suis pas une feignasse. Je t'en laisse. Enfin, je t'en laisse. Bah arrête de crier. Ah, il reste des trucs. Tiens, ils sont tous partis. Ah, Isaac ouais, il est parti se coucher. Mélanie n'a pas bien... on va dire... Elle aime pas trop notre père. Il est devenu plus sympa avec moi, étrangement. Tu sais, avant, il me parlait pas trop, et puis... c'est comme si j'existais pas pour lui, mais maintenant... Il me donne énormément d'attention. Il dit que je peux le rendre fier, apparemment. Même si j'ai été un pirate. Mais il comprend que c'est pour t'avoir rejoint. Et que je voulais te protéger. C'est vachement bon. Pour une fois, Giba me fait de la super bonne cuisine. Je t'emmerde cordialement. Bah c'est vrai, sur le bateau, c'était bien, mais sans plus. Le mec essaye de dormir. Putain, il va nous attirer des ennuis. Ça se voit que notre mère qui l'a bien aidé pour la cuisine, il va bien s'améliorer au moins. Ça, c'est sûr. Bah, m'arrête de gueuler, j'en ai marre. C'est Ryuji, c'est... pour moi, ça te dérange pas qu'on soit revenu sur l'île en vrai. Putain, il chuchote fort. Ouais, il chuchote fort. Moi, comme je dis, ça me dérange pas d'être revenu sur l'île, même si. Si j'ai l'occasion de me venger et de venger l'équipage. Je le ferai. Ouais. Ouais. En fait, attends. Mère m'a dit de te dire qu'on a été mis dans la même chambre parce que sinon il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde.
Ils ont donné ta chambre à Isaac. Ils ont donné ma chambre à Isaac. Ouais. Du moins, temporairement, le temps que... une maison leur soit construite. Donc du coup, je dors où? Je dors dehors? Non, tu dors dans ma chambre avec moi. Bien sûr, dans un lit séparé, hein. Évidemment, mais... voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. D'accord. Juste les remarques de papa, on va dire, sont un peu restées en travers de la gorge, mais bon. Parce que, honnêtement... je le sais, pour au moment où j'ai dû te remettre sur pattes quand tu n'allais pas bien. C'est comme ça que tu fonctionnes. Pour trouver du poil de la bête. Ça marche pas avec moi, mais généralement ça fonctionne avec toi. Ouais, bien sûr. Bon, quoi qu'il en soit. Moi, je vais dormir. Ah, je vais te suivre. De toute façon, on est dans la même chambre. Et bonne nuit, tout le monde. On est revenu sur l'île. Je me sens plutôt bien, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, on verra bien.